Chez nous, gloire à Dieu, merci Jésus. Alors, si prochain coup qu'on a recoupé, nous pouvons nos caméras, nous pouvons tout ce qui est là, nous pouvons flac, monsieur Rina, et nous pouvons réunir les là-bas. Mais nous pouvons faire nos réunions. Même si nous pouvons faire les 11h à soir ici, mais nous pouvons faire nos réunions. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, moi tu peux dire, gloire à Jésus, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ah, ça c'est pour toi. Pour moi. Ah, ok, allez, good. Gloire à Dieu, merci Jésus. Moi, tu peux dire comment il est important, nous, en tant que parents, ne pas maudire nos bons enfants. Nous nous regardons. Et, bon, bref, pas cela, juste parce que, faut voir le monde pour cancel ça, le live là. Gloire à Dieu. Amen, n'est pas pour canceler nos blessures. 2 Pierre 2 et le verset 2 Pierre 2. De Pierre 2, le verset 14. La Bible de Bandé Yéton, nous trouvons un monde pour être arrogant, audacieux. Nous trouvons ça dans le verset 10. Bandé Yéton pour faire un travail qui n'a pas besoin. Le verset 14. Je pénalise rempli d'adultère. Je trouve un quelqu'un insatiable de péché. Je trouve un quelqu'un qui pour. Je n'ai pas permis de faire le mal. Je trouve l'équipe peut exercer la cupidité. Après, il dit une phrase. En français, il dit ce sont des enfants des malédictions, mais par contre, en anglais, c'est qu'il me content, il dit parce que c'est un verbe là, tout ce qu'il me dit là, c'est pas un verbe qu'un groupe du monde peut faire. Et là, en anglais, il dit aussi dire cursed children, cursing children, maudits bons enfants. Il ne faut pas nous maudire nos bons enfants. Nous, en tant que maman, en tant que papa, en tant que grand-mère, en tant que grand-père, en tant que belle-mère, en tant que beau-père, il ne faut pas nous maudire nos bons enfants. Bien, bien pour autant. Et là, moi, tu prends le temps aussi dire dans Éphésiens, le chapitre 6. Quand la Bible dit, ah oui, enfants, obéis à tes parents. Mais juste avant qu'il dise obéis à tes parents, il dit aussi, voilà, Ephésiens 6, verset 1, il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et puis verset 4, il dit, ben papa et ben maman, n'a pas besoin d'hériter bons enfants. N'a pas besoin d'hériter bons enfants. Alors, il y a pour toi, nous, en tant que maman, papa, peu importe qui ça fait qui nous agace, qui nous dérange, qui dérange nous. Il ne faut pas nous laisser une parole. Une parole là pour venir. Une parole pour exprimer nous. Après, nous pouvons dire, nous gagnerons exprimer nous. Nous gagnerons exprimer nous, mais pas nécessaire nous prononcer en addiction. Nous gagnerons exprimer nous pour dire, bonnes affaires pour changer dans le nom de Jésus. Nous gagnerons exprimer nous en disant, je ne vais pas ce que je trouve, je vais pas ce que je crois. Mais qu'est-ce que le diable qui fait? Il veille. Alors ça, la Bible dit, le péché peut coucher que nous l'apporte. Le diable peut coucher que nous l'apporte, nous l'écrire. Le diable veille. Comme un quelqu'un sur l'attitude, les affaires d'Iranzie, ainsi de suite, il saute l'eau là, dans sa circonstance là, en prenant une parole mauvaise pour dire à sa dimona. À cause ça, il est même important. Fais ça la prière qui m'a habitué à faire. Seigneur, me commande, me penser, me l'écrire, mon attitude, mon âme, mon émotion, mon sentiment, bien captif à l'obéissance de Jésus-Christ.
Aux autres, beaucoup de gens ne savent pas bien. Plan écrasé, ou un gain mal, ou portable est tombé. Au lieu de prononcer une malédiction, bien, jouer quand le portable est tombé, premier ça fait que vous dites gloire à Dieu, nouveau portable est venu. Je peux vous contenir vous-même. Je peux vous crucifier vous-même la chair. Amen. Alors, n'a pas laissé le diable servir vous-même la langue, vous-même la bouche pour prononcer mauvaises paroles, le bon enfant. Ok? Et important. Gloire à Dieu. Le bon enfant, c'est ben qui bon Dieu fait de nous, ben câble du ciel. Laisse-nous pas maudit, ben câble du ciel. Amen. Ok. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous venons de la Bible de Somme. Somme le chapitre 147. Somme le chapitre 147. Somme le chapitre 147. Merci Jésus. Somme le chapitre 147, 21 chapitre. Voilà, voilà, voilà. Alors, encore une fois, nous présentons une esquisse, c'est un petit problème technique qui est arrivé là. Je connais un jour quand nous prenons un studio. Un jour quand nous prenons notre propre studio, grand studio, pour nous donner des coups pour tourner. Et pas pour dépendre le courant qui peut produire, nous prenons une photovoltaïque. Nous prenons toute une infrastructure, nous pouvons self-sufficient dans nos courants, dans nos l'énergie, dans tout ce qui est besoin. On perd tant de savants jour là par la grâce de Dieu. Mon pasteur, il coûte de l'argent. Il n'y a pas coûte de l'argent, il coûte un grand bon Dieu pour faire ça. Amen. Somme 147 de la C13. Alors, nous pouvons montrer ça, et ça fait cinquième session, cinquième semaine, comment nous devons prier pour nos bons enfants. Ça, il m'a montré ça. 4 versets dans ce chapitre-là, il y a une jolie chose qui nous faisait confesser nos bons enfants, prier nos bons enfants. Le verset 13. Il y a une copie sur le chat, le verset 13. Comme il a fermé les bords de tes portes, il a fermé. Et puis il bénit tes fils au milieu de toi. Qu'est-ce qui est intéressant? Première cause, bon Dieu, il a fermé nos bons poteaux, nos bons apôtres, nos bons bords, nos bons barreaux, nos bons gates. Différentes versions, c'est que ça va employer ça dans différentes terminologies-là. Bon Dieu, il a fermé nos bons bords. De nos gates. Après, il dit là, les bénis nos bons enfants qui sont au milieu de nous. Alors, la prière qu'il vous fait, Seigneur, renforce, mon content avec moi. Il dit, il a renforcé les barres de tes portes. Vous connaissez maintenant la porte, maintenant la porte, bon, pas parce qu'il y a un aluminium là, mais parce qu'il y a un gate qui fait avec métal, métal, un barre. La Bible dit, nous, bon Dieu, pour renforcer ce barre là. Quand bon Dieu renforce ce manbord-là, aucun volet, aucun voyou, aucun mauvais démon, aucun mauvais que ce soit, pas comme une coupe ça. Bon Dieu fortifie-le. La prière qui vous fait, dis à bon Dieu, Seigneur, ton miracle, dis-le aux tous mes bons enfants. Gagnez-vous un joli exemple. Dans Job, le chapitre 1, le verset 10. Job, chapitre 1, le verset 10. Quand bon Dieu fait cause concernant Job, bon Dieu peut dire à Satan, tu trouves mon serviteur Job, puis une personne comme Ali intègre. Tout de suite, Satan peut répondre pour dire, ah bon? Ben, tu mets un wall of protection, tu mets un hedge. Tu le mets un wall, tu le mets un mirail, tu le protèges, tout ce qui concerne lui, pas pécale tout ce lit. Ah bon, ça veut dire que le diable reconnaît qu'il y a une mirail protection autour de nous. Frères et sœurs, bon Dieu parle de nous juste un vieux pâturage. Un vieux pâturage, comme on dit, la plaine, comme à l'époque où longtemps, il y a une la plaine après 40 ans autour, il y a un peu de qui dit, il y a un peu de qui s'en a 40 dans la plaine là. Je me moque de nos jours aujourd'hui, dans la plaine qui est faite dans le village, bien fermée avec une clôture, bien comme il se doit. Ben, bon Dieu, pas de mettre un vieux pâturage, après un vieux pâturage fini. La Bible dit Jésus dit nous la porte des du bergerie, la Bible dit ça. Jésus dit la porte, faire ce et un mirail autour de nos enfants. Je dois déjà me déclarer, bon Dieu, met un mirail autour de nos enfants. Merci Seigneur. Moi, donne-toi l'exemple. Quand Joseph, le fils de Jacob, qui est égal à Joseph, le fils de Jacob, quand tu es dans l'Égypte, bon Dieu, tu as un mirail protection, tu as l'eau ensemble avec lui. Même Joseph, si de prison, n'importe qui n'arrive, il y a une mirale protection. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Quand David, garçon de Isaïe, David, quand il a fait face à Goliath, c'est une mirale protection de Dieu autour de David. Même il a fait face à Goliath. Me donne un autre exemple. Quand Manoah, il dit papa de Samson. Quand Manoah, ce garçon qui appelle Samson, tu es allé dans le champ, sur la route, mais tu fais face à un lion, tu as une protection de Dieu autour de Samson. Le lion n'est pas capable de rendre Samson. Pareil comme David, Daniel aussi. Daniel, en tant qu'un garçon, tu as une mirale de protection autour de lui. Et le lion n'est pas capable de déranger. Qui faut donner ça un exemple là pour montrer qu'il y a autour de nos enfants il y a une mirale protection qui est bon Dieu fait de mettre. Alors, arrête de prendre un cas. Au lieu de prendre un cas, vous fatiguez la tête, commence à dire, Seigneur, moi, je te dis, merci pour sa mirale protection, là. Moi, louez-toi pour sa mirale protection, là. Merci, mes enfants, ils passent sans mirale, ils passent sans protection.
Que ce soit aux enfants s'ils prennent l'avion, que ce soit si aux enfants qui travaillent de bateau croisière en ce moment-là et d'un cyclone en ce moment dans la mer-là, que ce soit si aux enfants d'un pays comme une tangente, un tremblement de terre ou bien au Japon, il arrive une circonstance, peu importe, croire au bon Dieu est un miracle différent autour de vos bons enfants. Aux enfants qui passent l'examen, Seigneur, tu es un miracle différent. Aux enfants qui passent le pique-nique, Seigneur, tu es un miracle différent autour de nos bons enfants. Maintenant, je dis Amen. C'est un joli verset que la Bible dit à bon Dieu, il renforce nos bords, nos fer, nos métal autour de nos bons enfants et de bénir nos bons enfants. Maintenant, on va tirer sur l'attention d'un joli verset, on ne va pas écrire qui version, mais un joli version que dire, bon Dieu, il peut élargir, il peut stretch dans la porte là. Et c'est extraordinaire ça. Ou bien, imaginez si dans la porte ferraille qu'il mettait là une gate, pas capable de stretch lui. Mon stretch lui pour casser. On a besoin de couplir, réajouter, après, souder. Fais-moi dire longtemps, je tiens un petit loto. Je tiens une petite voiture, je tiens une motocyclette. Moi, la porte, c'est comment dire, c'est pour un jumeau de passer, pour une motocyclette passer. À cela, mon gagne le tout. Qui m'a fait aller? Moi, stretch lui. Moi, fait venir un grand apôtre, prendre le tout. D'accord, pas d'accord. Frère et sœur, moi, content de sa version là, comme on peut dire ça. La Bible dit bon Dieu pour élever. Bon Dieu pour élever mon apôtre, pour mon enfant passer. Le Dieu dit gloire à Dieu. Ou mon enfant, moi, déclarer ou mon enfant pour avoir une opportunité. Bon Dieu pour stretch, bon Dieu pour élargir, bon Dieu pour établir, bon Dieu pour ouvrir une opportunité. Excusez-moi, pasteur, il finit faire la liste promotion, il finit faire la liste ban policier, il finit faire ban la liste, il finit sortir, mes enfants se nom pas là-dedans. Moi, je crois que bon Dieu est capable de stretch la liste là. Stretch la liste là. Faire place encore. Stretch, je veux dire, faire place encore. Élargir. La Bible ne dit pas bon Dieu pour élargir. Nous l'attendons. Il y a encore quelques jours là. Gloire à Dieu. Alors, quand on peut prier pour mes enfants, confesser et dire Seigneur, te pour renforcer. Seigneur, ce n'est pas moi qui est capable d'avoir une protection pour mes enfants. C'est ce qui peut faire malgré que mes parents fassent. Je veux de Dieu, je veux de pour plus qu'à porter des enfants là. Parce que quand vous frappez dormir en soi, c'est bon Dieu qui vous protège. Quand vous frappez dans l'examen, dans l'école, ou dans le travail, bon Dieu vous protège. À quoi ça, en tant que papa, papa? Si nous arrivons, on gagne une mauvaise nouvelle, au travail, on gagne une nouvelle concernant aux enfants. Mais pas pressé, paniqué. Première affaire, Seigneur, mon Dieu, toi, merci. Prenez un moment, pour prendre un peu de temps pour là-bas, là, mes enfants là-bas, pour prendre un peu de temps pour là-bas. Pendant qu'ils m'ont parlé là-bas, Seigneur, de sur l'école pour prendre lit. Te prends contrôle d'un miracle différent autour de lui, tu vas non, je peux veiller au lit. Garde la paix dans le cœur, confesse ça comme ça. Le Dieu dit gloire à Dieu. Merci Jésus. Regarde le verset 13. Vas-y, passe le verset 13. Quand il a fermé les bords de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Bon Dieu bénit nos bons fils et nos bonnes filles au milieu de nous. Je te dis à mes bons enfants, au milieu de moi, je bénis. Prochain verset. Il rend la paix à ton territoire et te rassasie du meilleur froment. Ça, je lis. Bon Dieu met une protection, les bénit nos bons enfants, les met la paix. Au contraire d'une version, il dit, He makes peace your borders. Nos bons bords. Dans notre version, il dit, God lets you live in peace. He gives you the very best wheat. Frère et soeur, bon Dieu, il pense, met une gate, renforcer nos bons bords. Bon Dieu, il dit, nos bons bords, prenons la paix. Mais pas une équipe pays où était en ce moment. On ne peut pas connaître si vous avez une frontière peut être attaquée. On ne peut pas connaître quel pays où il est. Ou bien si un jour vous avez l'occasion de prêcher Cachemire, ou bien Ukraine, là côté de la guerre entre la Russie, ou bien la bande border d'Israël. On ne peut pas connaître quel pays, n'importe quoi de ça dans le monde. Quand on peut aller là-bas, vous avez l'occasion pour le travail, ou bien pour prier, ou bien en mission. Et vous trouvez une amende de tension. Surtout la bande border. God savait cela bien dans les guerres. Bon Dieu, il peut demander la paix de border. Si vous êtes un policier, vous avez besoin à l'eau. Boundary pour travail, une place qui est chaude, élection pour venir bientôt, une tension, ça fait une région chaude. Croire, oh, bon Dieu, il vous garde la paix, bon Dieu, pour pouvoir manger à la paix, de bonnes borders, là comme vous postez, là comme vous pouvez. Je te dis gloire à Dieu. Regarde le verset 15. Le verset 15, il dit bon Dieu, il peut envoyer ce commandement, bon Dieu envoie ce commandement, bien sûr, de la terre, et ce parole, il court avec vitesse. Le verset Verset 15. Ce parole les coups avec vitesse. Bien souvent, on entend ça. Seigneur, ta parole les coups avec vitesse. Frère et soeur, parole bon Dieu, il n'est pas galopé comme un zen paresseux. Parole bon Dieu, il n'est pas galopé lentement. Parole bon Dieu, les coups avec vitesse. Comment bon Dieu dire que la lumière soit? La lumière finit venir. Comment bon Dieu dire Lazare sorti? Sa parole là, mon frère, on sait, sa vitesse qu'il a là, il finit retourner tout. Parole bon Dieu, extraordinaire ça. Ce que les maudits, les maudits, ça fait. Hein? Comme vous pouvez causer, une man wavelength. Comme vous pouvez causer, mon parole, une man wavelength, qui vous prend le temps pour écouter un du monde sous oreilles. Un sound, comment nous dire. Mais écoute bien,
Il n'y a aucune place dans la Bible que la Bible dit que the word of God is a sound. La Bible dit que the word of God is light. La lumière, bien dit, light travel faster than sound. J'apprends ça, la science. La parole de Dieu n'est pas un son. On aurait dit la parole de Dieu n'est pas un son. Comme au causé ou pétant un son. La parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu est la lumière. Ça, comment bon Dieu prononce sa parole-là? Sa vitesse que sa parole-là, il a l'air d'exécuter ce qu'il vient d'exécuter. Extraordinaire. Après ça, nous pouvons réfléchir. Ah bon, après ça, comment bon Dieu ne dit que la lumière soit, la lumière est venue. Comment bon Dieu ne causait dans sa fin d'arrivée. Quand Jésus dit à Lazare, sorti, Lazare sorti. Comment Jésus dit à la paix dans plein cyclone. Tout transformé, tout changé, la paix. La parole de Dieu quoi avec vitesse. Je ne sais pas qui est parti dans la vie ou besoin de vitesse. Je ne sais pas aux enfants besoin de vitesse. Pasteur, mes enfants un petit peu lents pour comprendre. Pasteur, mes enfants un petit peu retardés. Pasteur, mes enfants, parlez-moi qui ou circonstances que vos enfants peuvent faire face. Pasteur, mon troulier un petit peu lent dans mathématiques. Mon troulier un petit peu lent, pasteur, pour développer. Qui veut dire? Seigneur, ta parole les cours avec vitesse. Mon prier, ta parole les cours avec vitesse et pour mettre vitesse dans mes enfants. Amen, frère et soeur. Laisse la parole de Dieu qui court avec vitesse, mais vitesse d'en haut. Frère et soeur, on a beaucoup de médailles, écoute-moi. Un des bons versets qui m'a servi comme galopé de sport pour gagner médaille. Seigneur, si ta parole est courte avec vitesse, ta parole est dans mon écho, est dans moi, ta parole est dans mon équerre, je vais galoper avec vitesse. Je ne vais pas connaître des moments où on fait ça, à cause ça peut-être me prêcher vite, je ne vais pas connaître. Mais en tout cas, la parole de Dieu est courte avec vitesse. Je te dis amen. Il y a une autre version qui dit The Good News Bible. What he says is quickly done. Comment bon Dieu nous a fait, vite, il fait. Hein. Comment bon Dieu dit, un ange là-bas, ange là-bas. Comment bon Dieu dit, nous a fait, vite, nous a fait là, arriver. À quoi ça, nous pouvons encourager nous a fait, hein. C'est que je plie bien, c'est la parole de Dieu. Cherche une parole. Le moment où nous a une révélation de la parole de Dieu, nous a fait pour venir vite. Moi, pasteur Vachon avec moi, les témoins, et pasteur Taïn de Madagascar aussi, témoin. Comme je suis à Madagascar pendant un an, et pas juste à Madagascar, plus je passe mon trou ça, mais plus flagrant à Madagascar. Comment bon Dieu cause en moi pour faire une affaire. L'argent vini, ressources vini, l'organisation, tout ce qui vous est vini, et nous mettre des affaires là en place et arriver. Je vous donne un exemple. Tenez-vous, quand vous pouvez faire évangélisation, ben dis-moi une personne en bas. Personne en bas à porter. Bon Dieu, mesdames, les cœurs, à cette natte. Ok? Comment bon Dieu, mesdames, les cœurs, à cette natte. Pourquoi recevoir par là de la part de Dieu? Je me dis, ok, nous avons cette natte. Comment on parle qu'on écoute ça pour gagner une natte dans Madagascar? Pourquoi me dit-on là, comment pour gagner une natte? Un message rentré, pasteur, voilà, mon père a voulu 3000 roupies, servir ça pour Madagascar. Ah bon? Qu'est-ce que là, mon fini gagne l'argent qui me sert pour cette natte? Parce que Taïn, à l'autre natte, mon fini gagne le budget, n'est qu'à rouler où? Mon fini à cette natte, mon fini gagne une natte. Maintenant, nous peut servir une natte. Nous disons, ok. Nous avons besoin de 16 plastiques maintenant, parce que quand nous gagnons l'église, nous avons 16 plastiques. Stool plastique. Parce que nous puissions servir un banc, dans plein réunion, bon, là, cassé, du monde tombé, un vieux banc, nous disons, pas possible, nous passons 16 plastiques. Encore une fois, je ne veux pas qu'on écoute passer, je paye un budget, je paye un peu, pense ça, grand matin, mon Dieu, monsieur de Moulikia, banc plastique, nous avons besoin de stool plastique. Ok, je m'envoie un message, passe le time. Organiser, à rôder, côté ça, nous avons besoin de 50 bancs, nous pouvons commencer par 50 bancs. Comment on peut donner pasteur Taïn une instruction pour faire ça? Et nous, quelqu'un a envoyé un message. Pasteur, voilà 5000 roupies, c'est venu pour évangélisation. On dit, wow! Qui dit ça? On peut montrer comment la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Nous utilisons 100 000 roupies pour imprimer le livre de Jonas. Pareil. Bon Dieu, voilà pour tous les gens du monde. Mon cas, donne-nous l'exemple après l'exemple. Ça, c'est au niveau provision. Avec les ordis, Vous avez les ordis qui sont arrivés? Pour montrer juste encore une fois la parole de Dieu, il galope avec vitesse. Nous pouvons faire réunion réduit. Auditeur Octavier, nous tenons l'intention à ce nos propres veilles, à ce veilles, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de prendre une bande différente église pour faire la Sainte-Seine là-bas. Alors, nous avons un frère, j'ai dit, bon frère, allez à rouler une cotation. Nous avons fini de gagner 4100 environ. 4100. Un soeur, j'ai dit, pasteur, je vais voler sponsor une partie de sa veille. Je dis, ok. Soeur, pas besoin de sponsor tout. Bon Dieu, tu sais quel est le jeu du monde. Mon palais, on donne tout. Ok. C'est là qu'on a une somme, parce que la moitié de sa montant là. On dit, ok, nous pouvons envoyer ça, ça fait là. Pas même 3 minutes, dans l'espace 3 minutes. Et nous disons, pasteur, on peut envoyer mes roupies aussi pour savoir envoyer là, c'est venu pour ouvrir la Sainte-Seine. On dit, oh, putain, je peux quand même ouvrir la bouche de mon qui que ce soit moi. C'est ce qui me compte avec bon Dieu. Tout le projet qui est bon Dieu, il met dans mon équerre. Et on peut dire ça, la gloire pour Jésus-Christ tout seul.
Le mouvement bondit met une pensée, un désir, un projet dans mon cœur pour l'Église, pour le royaume de Dieu. On trouve avec rapidité dans les affaires venir. D'ailleurs, le pasteur Tain, tout le temps, tu dis, hey, avec pasteur Jean, vite, 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 dans les affaires FM. Ça, c'est la grâce de Dieu. Même un ben, qui équipe technique dans l'Église, a dit à moi, pasteur, on peut encore gagner sa convention, on peut finir pendant la prochaine convention. Ah oui. Parce que bon Dieu finit comment ce pouvoir. Deux mois avant, bon Dieu finit par mettre nous à cette goutte pour nous donner ça dimanche. Là. On peut faire bon Dieu confiance sur un gros projet qui nous a. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et que le Seigneur bénisse tout, qui peut prier pour nous et qui peut soutenir, un personne mais une autre. Gloire à Jésus. Le deuxième, la parole de Dieu du coup avec vitesse. La parole de Dieu du coup avec vitesse. Dans une version, on peut dire, as soon as he speaks, the earth obeys. Comment bon Dieu causait la terre obéir? Jésus dit, bon Dieu, fais la terre arrêter, les prier. Comment bon Dieu causait la terre arrêter? La terre arrêtée tout de suite. Tu te rappelles ça des histoires, dans l'histoire de Jésus? La terre arrêtée. Bon Dieu, sa parole, les swift, swiftly, avec vitesse, avec rapidité. Merci Jésus. Mon content, sa version française là, que tu dis, sa parole court avec beaucoup de vitesse. Pas si vite, beaucoup de vitesse. On rend grâce à Dieu pour l'église Goodlands qui va être restaurée. Tout la gloire pour Jésus-Christ. Et Dieu merci tous ceux au ciel qui peuvent prier pour l'église Goodlands. On commence avec 5 dimons, on arrive presque 80. Tout la gloire pour Jésus-Christ dans 4 mois. Qui fait hein? Prenez une vitesse, frères et sœurs. Prenez une vitesse. Prenez une vitesse extraordinaire. Et nous pour réouvrir toute l'église qui nous fermait de LVD de région le Nord. Nous pour faire pour la gloire de Dieu. Des affaires qui bon Dieu finissent. Abraham, tu ouvres un trou. Ben Philistin, tu viens, tu bousses ça dans le trou là. Et là, Isaac, tu viens, tu viens, tu bousses ça dans le trou, qui se papa, tu fouilles là. Nous prenons grâce à Dieu, tout dans l'église qui nous ferme. Par la grâce de Dieu, nous pourrions ouvrir. Deuxième exemple, David, et ben la ville qui tu conquérais, tu gagnais. Ben Philistin, tu reprends la ville là. Et ben les enfants David, et même David aussi, dans le moment, il besoin réaliser pour regagner la ville qu'il tient en avant. Vous déclarer, ne peut prier, ne peut le bon Dieu, ne pas en compétition avec personne. Gloire à Dieu pour tout le monde qui nous veut l'église. Dieu bénisse Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais nous, bon Dieu, pour faire grâce, nous pour réouvrir toute l'église qui nous fermait et nous pouvons à nouveau aussi dans le nom de Jésus. Dieu est fidèle, laisse bon Dieu se par recours avec vitesse. Merci Seigneur. Jérémie 3, verset 19. Jérémie 3, le verset 19. Alors quand je priais pour les enfants, qui vous a dit? Seigneur, mon Dieu, toi, merci, mon bon enfant, pour vivre de protection. Mon bon enfant, c'est mon bon enfant béni, comme tu dis dans Psaume 147, le verset 13. Mon bon enfant, Seigneur, je peux qu'on respecte tes paroles et tes paroles peuvent travailler rapide dans mon bon enfant. Si vos enfants ont une faiblesse, un défaut, pas peuvent venir d'église ou bien, prenez-moi, peuvent prendre une mauvaise décision. Seigneur, tes paroles, vite, poussons-les. Fais ce qu'elle dit la prière là. Fais ce qu'elle dit la prière là. Merci Seigneur, merci Jésus. Allez, Jérémie 3, le verset 19. Vas-y, pasteur Vaja. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Pour vous dire ça, il y a différentes versions de la Bible et moi, tu peux les mesures de prier en ligne avec ça. Ça veut dire là, je vous trouve ça, le verset 19, il dit, I will put you among your sons and daughters. Bon Dieu, pour mettre toi au milieu de mon fils et de ma fille. Si vous connaissez quelqu'un pas qu'on est capable d'un bébé, ou bien quelqu'un qui attend d'un bébé, prends sa parole là pour vous. Seigneur, tu dis de ta parole, tu peux mettre moi au milieu de mes enfants, au milieu de mes enfants, mon bon fils et mon fille. Mon père attend ça jour là, venir, Seigneur. Tu peux mettre moi au milieu de mes enfants. Je disais gloire à Dieu. Après, il a dit là-bas encore, il dit, tu peux donner moi la terre. Ça veut dire, tu peux me dire, moi, au milieu de mes enfants, pour nous rester locataire. Tu peux mettre moi au milieu de mes enfants, tu donnes moi la terre. Virgule, et goodly. Heritage, goodly heritage. Bon Dieu, tu peux demander un héritage. Prenez un héritage. Mon bon enfant, prenez un héritage. Dans une version de la Bible qui appelle 2000N. 200N. Il dit, you told me that you have made arrangement for me to have children. N'est-ce pas merveilleux, sa version? Elle dit, jolie version. La Bible. Enfin, je compte la façon dont je traduis. Toi, Seigneur, tu me dis à moi, toi, tu as fini de faire tout mon arrangement qui est bizarre pour que moi, j'ai des enfants. Et, virgule, toi, Seigneur, tu as fini de faire tout mon arrangement pour que moi, me recevoir un bon pochon la terre. Et, merveilleuse sa parole-là, merveilleuse sa parole-là. Et tu nous dis, Seigneur, tu as fini de faire arrangement pour mes enfants sur l'éducation. Seigneur, tu as fini de faire arrangement pour mes enfants sur le mariage. Seigneur, tu as fini de faire arrangement
pour mes enfants sur naissance. Seigneur, tu ne finis faire arrangement pour mes enfants. Après, vous êtes qui vous avez fait de blanc là-dedans. Quel arrangement bon Dieu fait? Bon Dieu finit arrange et tout un ange qui besoin dans sa pays, dans sa lair, dans sa zoo, là côté aux enfants pour aller pour aider là. Bon Dieu finit faire tout arrangement pour que aux enfants quand pour rentrer primaire, secondaire, l'université, tout aller, c'est tout correct, il y a une bonne structure, bon académique, bon professeur, lecteur et ainsi de suite. Bon Dieu finit faire un arrangement de la terre. Que tout j'ai gloire à Dieu. Quand nous pour gagner l'autre bon Dieu comme ça, Dieu. Bon Dieu finit faire tout un arrangement. Oui, les causes trois affaires. Il dit, bon Dieu, fais arrangement pour tous 15 enfants. Alors, bonne grand-mère, c'est quoi, bon, ça, bonne grand-mère, bonne grand-père. Seigneur, toi, tu ne finis faire tout bon arrangement pour mon vie grand-mère, pour mon vie grand-père. Deuxième, il dit, bon, pour faire arrangement pour toi la terre, un terrain, que ce soit pour ton business, pour la case, pour l'auto, pour ton parking, pour ta plantation, tout ce que tu as besoin de la terre. Et puis, bon Dieu, nous donne bon héritage. Hallelujah. The most beautiful and best among the nation. The most beautiful and best among the nation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans la Bible CEV, Contemporary English Version, il dit, I have always wanted to treat you as my children, to give you the best, the most beautiful. En français, c'est un terme désirable. En version française, il dit, un héritage de la noblesse. Wow. Papa, je te remercie pour nous, les enfants, ton réserve en terre. Alléluia. Noble, désirable. Merci Seigneur. L'éducation de nos bons enfants, ce sera avec noblesse. La vie spirituelle, ministère de nos bons enfants, ce sera avec un ministère noble. Oui Seigneur, un bon héritage pour nos bons enfants. Je crois là-dedans Seigneur. Merci Jésus. Laissez-moi terminer avec Job. Job chapitre 21. Job chapitre 21 et le verset 7. Job chapitre 21 verset 7. Ne pas vous finir les vers parce que mon père n'a pas prêché pendant 15 minutes. Courant de couper. Alors, Job chapitre 21 verset 7. Je suis content ça, et je confesse ça. Frère et sœur, là, je vais confesser ça de où la vie. Et qu'il dit, je peux continuer à vivre, I will continue to live. Je peux continuer à vivre. Après, il dit, I will grow old. Je peux vivre vieux, je peux rendre l'âge. Après, il dit, I will become mighty in power. Je peux rempli de vigueur, rempli de force, rempli de puissance. Dans une version, il dit, mighty in wealth, avec richesse. Vous connaissez la Bible du peuple qui dit, B. La Bible du peuple, ou bien la Bible des peuples, les dire, vous pourriez là, ils font des vieux os, se font man vieux les os, ils gagnent en pouvoir, ils viennent vieux et ils successful, ils croissent en force. Frère et sœur, je ne vais pas cause vieux les os parce que les os vieillis là, je ne vais pas cause ça ici là, je ne vais pas cause vieux les os ici, c'est une expression, c'est-à-dire que tu viennes vieux, tu viennes rassasié de jour. Frère et sœur, c'est une promesse de Dieu ça, la Bible. La Bible du peuple, Job 21, verset 7. Ah, parce qu'il dit, tiens, Job 21. Oh, you. Nicodien, Tico, c'est pas verset 6. C'est pas Job 21. Parce que Vachap, il fait un signe. If and such, I will continue to live, grow old, become mighty in power. Parce qu'il y en a 13 versets qui nous pouvons lire là. Il y en a 13 versets qui nous pouvons lire là. Est-ce que c'est pas Job? Job 21. Allez, pendant que pasteur va chaper Rodley, on pense à ça dans la tête, hein? Nous continuons. Il dit, I will continue to live. Je te dis, on peut continuer à vivre. Frère et sœur, confessez. On peut continuer à vivre. Au cas où rien tousse, au cas où on a un problème léqué, on a un problème léré, on a un problème pancréas, poumon, les foies, on a n'importe quelle circonstance, peut déranger dans la santé. Mais au dia dans l'équerre, on peut continuer à vivre, moi. On peut continuer à vivre. Là, l'hiver peut venir, n'importe quelle affaire au taquinou. On peut continuer à vivre. Capable vous chercher les lits ou peut écouter moi ou dire aux lesquels moi pour continuer vivre. Pour qui faire? Parce que moi pour vivre et moi pour trouver mes enfants autour de moi. Et le verset 8, vous connaissez qui dit le verset 8? Il dit, je ban semence, je ban enfant. Bon Dieu pour établir moi autour de mes enfants. En anglais, c'est they are allowed to see their children grow up. Bon Dieu allow moi. Bon Dieu demande l'autorisation pour une vie. Pour trouver mes bons enfants grandis. Waouh! Je te dis, mon refuse mon bonheur. Je te dis, mon refuse mon bonheur. Et ce livre, c'est ça. Moi, pour continuer à vivre, bon Dieu, pour permettre moi de continuer à vivre, pour trouver mes bons enfants grandis. Je vais être même ça. Ah,
Ok. Maman peut prendre dans un cause le méchant. Maman peut prendre dans nous contexte, comment nous pouvons confesser dans nous la vie. Le verset 8. Qu'est-ce qu'en français qu'il dit? Leur famille est à leur côté. Et je peux prospérer. Leurs petits enfants sous leurs yeux et multiplient. Il est vrai que ça verset là, peut-être, il peut cause à ban méchant. Mais non, il n'y a pas un peu de pour nous. Il n'y a pas un affaire méchant pour nous vivre. Il n'y a pas un affaire méchant pour nous. Là, la Bible explique pourquoi il peut cause à ban méchant. Il peut cause comment ban méchant profite de ça. Et si ban méchant peut profiter de ça, il ne peut pas profiter de ça. Si la pluie tombe, la Bible ne peut pas dire la pluie tombe le ban méchant, le ban juste. Si la pluie tombe le ban méchant, maintenant peut labourer, peut travailler, peut gagner un pied, peut gagner un fruit. Le ban juste qui vous a fait. Ah non, c'est ban méchant ça. Non. Prends-le, profite de ça aussi. Le Dieu, j'ai gloire à Dieu. Alors, mon compte, ça va, c'est là, il m'a demandé de confesser. Seigneur, mon bon enfant, vous grandissez sous mes yeux. Sous mes yeux. Premièrement, mon pénalisé, mon troublé, avoir perdu ma vue. Deuxièmement, mon enfant, pas pour grandir à droite, à gauche, c'est pour grandir sous mes yeux. Je te dis amen. Good News Bible dit they will have children and grandchildren. They will live to watch all of them grow up. Et la Bible pas dit nous pour vivre vieux, juste pour tout Liverpool contre Manchester. Pour watch man football. Pas ça qu'il a mis, tiens. La Bible dit pour vivre vieux. Tu peux trouver deux enfants et tu vas grandchildren. Et la Bible dit, you will live to watch them grow up. C'est-à-dire, bon Dieu, pour permettre à vivre pour trouver descendants. Le deuxième gloire à Dieu. Prends sa promesse pour ce frère et soeur. Moi, pas qu'on ait qui problème de santé, des rangs ou tarquinou. Moi, pas qu'on ait si on arrive 40 ans, 50 ans, 60 ans, on me dit, tiens, mon père en dollars, ça, mon père vient de pied là. Non. Seigneur, moi, pas que tout le monde est descendant. Moi, besoin de tout le monde descendant. Si on a trois enfants, autour de tous les trois enfants, sauf un enfant, c'est ça qu'appelle notre tout le descendant. Hein? Et non pas si c'est un, non pas si c'est sauf un enfant. Non, tout. Le Dieu dit amen. Gloire à Dieu. Le verset 9. La Bible dit, their house are safe from fear. Je de la case. Pénoquen la crainte de je de la case. La verge de l'éternel pas une frappe je de la case. Je dis, moi, la case est dans la paix. Alors, je dois répéter, moi, la case est dans la paix. Un verset en anglais, il dit, God will not bring disaster to my house. Ou la case va pour ébranler, flash flood va pour rendre la case, ou la case va pour craquer, ou la case va pour déclinquer. Confesse ça. Parce qu'elle vient la case, elle vient déclinquer. Et moi, mon prophétise de vous la case pour toi dans le nom de Jésus. Le verset 10. Je ben les animaux, quand multipliés, quand peuplés, ben les animaux là pas fait. Je gagne tes enfants, je gagne tes animaux. Their cow bring forth safely without any miscarriage. Je ben vaste. Donne naissance dans la sécurité et pénoquen perte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une autre version dit, my cow does not give birth prematurely. Confesse ça dans la vie. Seigneur, nous ban projet pas pour voter prématurément. Nous ban business, nous ban plan, nous ban projet. N'a pas pour pénoquen prématuré perte. Le Dieu dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Dans verset 11, au compte verset 11 aussi. Ils ont des gamins. Comme ils ont des agneaux. Agneaux. Ils voient se battre leur enfant. Au fait, le mot se battre, c'est play safely and dance safely. Dans notre version française, il dit leur progéniture bondit. Waouh! Il commence par dire nous, les causes de nos bons enfants, protection, nous la case à la paix. Parce que du moins, il y a nos enfants, il y a des descendants. Pour faire la guerre en Dieu même, mais manger dans Dieu même. Mais nous, quand nous pouvons prier, nous pouvons dire Seigneur, il y a la paix entre nos bons enfants. Je vais payer la guerre à cause d'héritage, je vais payer la guerre à cause moi, je vais payer la guerre à cause de mon pension. Si vous payez une pension, vous allez faire ça à la prière. Si vous avez un enfant, vous payez la guerre à cause de pension. Alors, le verset 11. Les diables pour trouver mon enfant, peut jouer safely. Et peut danser safely. Je dis, j'allais pour moi, ça l'héritage. Recevoir sa vraie sœur. Pasteur, mes enfants, le chaise roulant. Moi, non. La Bible dit, tu peux trouver ton enfant, peut jouer. Ton enfant, pour jouer. Arrête trouver ton enfant, le chaise roulant. Trouve ton enfant, peut jouer. Je te dis, amen. Le verset 12. Quand moi, mon père trouve mes bons enfants comme ça, quand moi, bon Dieu, permette-moi trouver les enfants de mes enfants. Et le verset 12 qui dit, maintenant, moi, pour chanter, moi, pour danser avec ton bourrin. Waouh. Un jour, moi, quand même, pour faire une réunion des vieux, nous, pour faire une réunion grand-mère, grand-père, nous, pour les balles à chanter, danser pour la gloire de Dieu. Oui, parce que bon Dieu, par contre, il y a des grandes choses pour eux. Le verset 13. I spent my days in prosperity. Comment faire sûr? Quand on a beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, besoin de prospérité.
là comme à cause de nous autres cadeaux, ou à nous autres promener, ou à nous autres McDonald's, ou prier pour nous autres, ou payer un billet d'avion, ou bénir nous autres, ou acheter la Bible ou donner nous autres, ou acheter dictionnaire la Bible ou donner nous autres, ou acheter cours correspondant ou donner nous autres. Comme mes enfants arrivent 15 ans, j'ai dit, hey, bon pour donner toi cours correspondant, allez moi pour payer pour toi cours correspondant, et allez moi pour payer pour toi l'école publique. Amen. Kingdom minded. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et mon compteur, le verset 13, il dit, moi pour passer mon jour dans la prospérité, d'un verset français, il dit, leur jour achève dans le bonheur. Le deuxième mot jour pour terminer dans le bonheur. En anglais, une version, il dit, peacefully, they go to the grave. Seigneur, vrai jour, quand nous parlons besoin du Seigneur, quand nous, ces jours nous seraient là pour terminer, ce serait avec la paix, avec la paix, avec la paix. Merci Jésus, merci Jésus. À mon content, Good News Bible, il dit, je peux vivre dans la paix. And quietly they will die without suffering. Bon, pour terminer avec ça. Mon prophétise des de la vie, pas pour une souffrance, banzo qui ne pas avec le Seigneur Jésus. Ne pas pour mourir d'opération, brûler, noyer, ou bien n'importe quelle façon, nous pouvons souffrir, ni nos bons enfants dans le nom de Jésus. Non, 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 c'est pas sa qualité et l'amour là qui bon Dieu fait réserver pour ce bons enfants. Connecter, recevoir, laisse ça, confesse sa bonne versée là, laisse ou même médite de sa bonne versée là, laisse ça vivre vrai dans la vie, trouve vivre vrai dans la vie, servir le Seigneur de tous les cœurs. Et la Bible, c'est en confessant qu'on parvient. Amen, l'Église. Gloire à Dieu. Voilà. Mais on commence par montrer aux autres comment nous avons prié pour nos bons enfants. Et aujourd'hui, on trouve bon pour expliquer aux autres comment. Ce n'est pas juste nos bons enfants qui m'ont besoin de prier. Moi, j'ai besoin de prier pour moi aussi. Pour moi, quand je jouis à mes bons enfants, profite de mes bons enfants devant moi. Bien sûr, ne pas sans oublier. Prier avec nos bons enfants est important. Chanter cantique avec nos bons enfants est important. À l'Église avec nos bons enfants est important. Tout ça est important. Hein? Tout ça est important. Qu'est-ce que ça? Je ne peux pas vous dire comment vous avez respiré. Ça, c'est mes affaires de base, ça, comment respirer. Mais je ne peux pas dire, oh, gardez-vous propre. Voilà qui l'a pas bien avec vous. Ça, je ne peux pas dire. Oh. Mais respirer, vous connaissez bien respirer. À l'église, je connais de quoi, besoin à l'église. Le deuxième, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, vous êtes, nous réunions pour tirer sur fin ici. Merci à tous ceux aussi qui font une journée. Nous prenons grâce à Dieu. Continuez pour y avoir de bons enfants. Laissez-nous prier un moment pour nos bons enfants. Papa, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, nous pétons amis, nous pétons clôture, nous réunions concernant comment nous prier pour nos bons enfants. Nous trouvons beaucoup dans l'aspect. Nos responsabilités, ben, ça fait que nous devons confesser nous-mêmes en relation avec nos bons enfants. Mais prier dans le nom de Jésus, nous pouvons les enfants de nos enfants, nous pouvons descendants de nos descendants, grandis, mariés, gradués, peut faire pasteur, peut prêcher l'évangile, peut diriger l'adoration, le côté spirituel et le côté naturel aussi. Moi, je te merci. Merci Seigneur, la paix qu'il a dans nos lacans, dans nos mirailles. Merci Seigneur, our borders are in peace. Moi, je te merci. Satan, il y a une ville inventée. Hein. Le plan du diable, il cancelle la vie de nos bons enfants. La parole de Dieu, pourquoi avec vitesse? Pas parole négative, malédiction qui m'a dit de prononcer. Parole de Dieu, promesse de Dieu, pourquoi avec vitesse? Pour accomplir de la vie de nos enfants et de nos générations. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Malgré que tu as un problème technique au commencement, tu n'as pas la grâce, courant pas de couper, nous ne pouvons pas terminer mes sans ans, et me donne tout seul, toute la gloire, l'honneur au grand merveilleux Jésus. Amen. Avant qu'il nous sépare, gloire à Dieu, avant qu'il nous sépare, vous êtes. Moi, pour mettre deux affaires vraiment importantes de jeu de l'équerre. L'hiver, officiellement, aujourd'hui, de la radio, l'hiver, il commençait aujourd'hui dans Maurice. Bon Dieu, pour de nous, la guérison, la santé. Mais il y a des affaires, nous, nous faire. Par exemple, bon Dieu connaît dans l'hiver, par exemple, dis-moi, nous besoin de vitamine C. Belin faire, ben, fruits, vitamine C, pousser, fleurir, vin beaucoup, gagner sur saison dans l'hiver. Il y a une raison qui fait un ben, fruits dans l'hiver qui est venu. Alors, nous ne sommes pas capables de dire bon Dieu pour protéger nous, bon Dieu pour protéger nous. Ben non, c'est nos devoirs. Si maman, papa, ça m'a dit, on peut dire au moins, c'est au devoir pour consommer un fruit qui a la vitamine C, prendre un précaution qui a besoin, ou perdre un parce que ben, on peut éternuer, peut tousser, ainsi de suite. Connaître tout masse, non, il n'y a pas un peu soumis tout masse. Ou peut redonner le dos fermé partout parce que la pipe est tombée, dire on peut éternuer, peut tousser à côté haut. Prendre précaution qui a besoin. Prendre précaution. Dieu donne-nous la sagesse pour prendre précaution aussi. Hein? Dieu nous donne sagesse pour prendre précaution aussi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, louez le Seigneur qui est capable à fond de terminer saison l'hiver bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Et deuxième, il y a un bruit qui peut courir concernant élection, que ce soit partielle ou bien générale. Frère et soeur, il ne faut pas élection pour nous en tant qu'une église par surprise. Il ne faut pas élection nous pays, venir comme un volet, une saisie. Nous ne pas même connaître élection. Parce que tellement nous, comment dire, la cigale, nous ne galopons pas droite à gauche, nous ne pensons en considération. Enfant de Dieu, il est important de nous prier pour nos pays. Enfant de Dieu, il est important pour nous prier pour stabilité politique, stabilité économique, stabilité de ce pays-là.
Et important, frère et soeur, ne pas dire, ah ouais, l'élection habitée, vini l'année, allez, l'année, vini, chaque 4 ans, habitée, une élection, qui nouveau, qui drôle, non. Le monde diabolique, le monde des ténèbres peut agir bien plus chaque élection qui est, non. Le mouvement de Dieu, frère et soeur, n'a pas sous-estimé ça. Des personnes, c'est la même devant le rayon prière, devant cellule, là, quand il y a l'occasion, commence à prier pour le pays. Comment se prier qu'il n'y ait aucune influence diabolique? Comment se prier qu'il y ait the right person pour, à la tête de ce pays-là pour gouverner comme il se doit? Prier volonté bon Dieu parfaite pour faire dans nos pays. Prier qu'il y ait à la tête de nos pays pour nous demander du monde avec justice, avec droiture, avec transparence, avec la crainte de Dieu. On ne peut pas dire prier pour une partie politique rentre au pouvoir, pas ça mon Dieu. Mais nous prier pour the right person, right person, right person. Amen. Ben, quelqu'un comme Joseph intègre, rendre le pays. Frères et sœurs, rendre, on peut dire, gain accès au pouvoir, ainsi de suite. Priez, frères et sœurs, pour volonté bon Dieu faire dans nos pays, concernant l'élection, concernant le gouvernement, pour que l'évangile soit prêché dans sa liberté, pas aucun obstacle, pas aucun. Priez, frères et sœurs, priez. Il y a nos enfants, il y a nos descendants, il y a tout notre travail, il y a tout l'église qui est impliquée dans ce qui peut arriver devant moi, qui peut défiler. Dans le prier qui va une sagesse diabolique renversée, un plan machiavélique cancel, une stratégie malsaine annulée dans le nom de Jésus. Et prier pour volonté bon Dieu faire dans nos pays. If my people who are called by my name, they would humble themselves and pray, turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Déchronique 14, 22, non? Il y a pourtant. Pardon? Déchronique 7, 14, sorry. Il y a Déchronique 7, 14. Il y a pourtant de prier pour nos pays, stabilité dans nos pays, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Voilà, monsieur, nous réunions Petit à Sophène. Nous besoin jeudi, élever des Goodlands. Et samedi, l'école des enfants pour le pique-nique. Dimanche, nous pourrons rejoindre Goodlands à 9h. Et puis à midi, nous pourrons descendre de parking, l'hôpital Leno, pour prier pour Benjamin qui est malade. Moi, bien content, monsieur, mon pasteur Vachan. Nous donne-nous les temps, nous donne-nous efforts, nous donne-nous la peine, si vous êtes capable de dire oui pour la gloire de Dieu, mais aussi pour vous aussi. Pour nourrir eux, pour prier pour eux, pour soutenir eux. Merci pour votre amour, pour votre soutien. Et voilà. Papa, je te remercie pour ce bon moment-là. Merci pour ta présence. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur. Tous ceux aussi qui nous tournent, et là, devant le pays, devant la case, à cause de sa parole à parler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye, la grâce de Dieu avec eux. Nous vous en très bientôt. Bye bye.